DVD, je ne sais pas comment on dit, pour vous spécialement, c'est seulement pour vous, pour ce séminaire à Paris au mois de mai. Et je vais essayer de faire en français, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne parlent pas français, alors mais on parle espagnol et on va faire spécial pour vous. Formidable! On va commencer. Et pour commencer, je vous dis un applause en espagnol. Merci. J'ai fait un tour spécial et je vous dis qu'il y a quelqu'un. Est-ce que vous parlez français, monsieur? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Monsieur Gaëtan Blum, un grand applause pour... tu parles français un peu, oui? Tu es espagnol, mais tu parles. Qu'est-ce que tu peux me dire que tu préfères? Les carreaux, les trèfles, le cœur ou le. Le cœur. Cœur. Mais pour commencer. Commencer, je t'en prie, Gaëtan, de mélanger. Mélange. Parfait. Bien mélanger, hein? Oui. Pas. Non. Non. Bien mélanger. Tu peux finir la mélange comme ça, on est complètement sûr que c'est bien mélangé. Bien mélangé. Et un peu plus, on va mélanger un peu plus parce que. Hein, comme ça, bien mélangé. Bien. Alors, tu as dit le cœur. Cœur. Cœur, c'est en espagnol corazones. Corazones. On va prendre le quart de cœur d'ici, que j'ai quoi ici, une autre cœur. Hein. Si j'ai fait quelque chose que ce n'est pas bien, tu me le dis, Pedro. Pedro, tu me dis, ah non, ce n'est pas le cœur, il y a un cœur que tu as. Hein, d'accord? D'accord. C'est bien? Bien. J'ai pris tous les cœurs, je suis passé. Hein. On va voir. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de cœur. Hein. Alors. Cœur. Et qu'est-ce que vous préférez? Une autre trèfle ou pic ou quoi? Le carreau. Carreau. Alors on fait comme ça et on va prendre les carreaux. C'est très facile parce que ce sont des cartes rouges et les autres sont les cartes noires. Et je ne suis pas stupide. Alors je suis comme ça. comme ça. Carreau, hein, carreau. Alors, cœur et carreau. Cœur et carreau. Vous savez choisir cœur? Vous savez choisir carreau. Avec c'est des. Palo, comme on dit, palo. Couleur, ma fait spécial. Est-ce que tu peux, je t'en prie, de mélanger un peu plus. C'est bien mélangé parce que tu avais mélangé, tu n'as pas mélangé. Ouais, de toute façon, je vais souvenir bien. Hein. C'est les quarts, les neufs, les quatre, les trois, la dame, les rois, tous les quarts de cœur. Et je vais me les comme ça, et tu dois mettre ta main comme ça. Alors je fais rien. C'est bien mélangé aussi. Oui. Alors c'est les huiles, les jacques, tous les cas aussi. Oui. Et on va faire une chose spéciale. Je t'en prie, à toi, je te pido, je t'en prie, que de toucher une carte, tocar une carte. Toucher. Seulement toucher, comme ça. Sans. Voir la carte, la face de la carte, tout le monde va comprendre quelle est la carte. Sin ver la carta, todos comprenden cuál es la carta. Ah, sí. Méthode déductive. Déductive. On fait comme ça, et on dit, ici c'est l'as, ici c'est le 3, les 4, les 5, les 6, les 8, les 9, les 10, les 11, et sans voir la carte, tout le monde connaît la carte, oui? Mais c'est pas difficile, mais je vais faire comme ça, je vais mettre la carte sans voir la carte, sans montrer la face de la carte, à sa place, ici. C'est la carte que tu as choisie, je la mettre face en bas. Et maintenant, avec votre couleur de cœur, qu'on a bien mélangé, ok. Et faire une chose spéciale. Et maintenant, les couleurs de cœur, qui est bien mélangée. C'est l'as ici. Après c'est le 2. Après c'est le 3. Après le 4, après le 5, après le 6. Qu'est-ce que ça passe? Ah oui, ça a retourné le 9, le 10, le jacques, le...
Bravo, Juanito. Ah oui. On va faire un tour avec les cartes, toujours avec les cartes. Non, je laisse toujours les cartes comme ça. C'est exprès. Monsieur Nilo, tu peux m'aider? Puedes ayudarme? Oui, moi très bien l'anglais parfait. Mélange. Vous pouvez apprendre l'espagnol aussi. Mélange. Bien mélanger, oui. Bien mélanger. Bien mélanger parce que c'est tout. Le nom de ce tour, c'est le tour avec les cas bien mélangés. Bon. Ici. Très bien. Comme ça. Alors, je vais faire comme ça. Je vais prendre quelques cartes rouges. Quatre cartes rouges. Et je vais prendre quelques cartes noires. Par exemple, ces cartes. Non. Pas les figures, mais c'est mieux. Les numéros, non? Noir. D'accord? Noir. Quatre cartes rouges. Je vais mettre comme ça. Je vais prendre les cartes noires et je vais montrer. Je vais mettre noir et noir. Bien? Oui. Et ici, rouge. Bien? Oui. Alors, vous souvenez bien, hein? Ici, les cartes rouges. Noir. Ah, mais c'est à la gauche, à moi. Ah. Et normalement, gauche, c'est rouge. Politique. Oui. Alors, on va commencer parce qu'on doit mettre au contraire. Hein? On doit mettre à gauche les rouges et les rouges. Alors. Et les noirs, la carte noire à droite. C'est bien. Alors on va faire comme ça. On va mélanger très doucement, très lentement, les noirs avec les rouges. Les noirs avec les rouges. Noirs avec les rouges. Oui? Oui? Noirs et rouges. On va faire seulement comme ça. Tous les quatre sont comme ça, les quatre rouges. C'est comme l'huile et l'eau. Quand on mélange l'huile et l'eau, l'huile, il commence à monter. Titi. Sans rien faire. Maintenant, on peut montrer. Et si c'est le noir, l'autre noir, qui sont l'eau, et ici, évidemment. Ouf. Toutes les cartes rouges. Wow. On va mettre quelques cartes en plus. Quatre. Ça fait rien qu'il y a. Ça fait rien. Et combien? Quatre. Ok. Quatre. Alors, maintenant, il y a huit cartes. On va montrer. On va répéter la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rouge. 1, 2, 3, 4 y 4, 8. Bien? Noir. Rouge et noir. Fais très lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors on va faire comme ça. On va mélanger les cartes rouges, une par une. Avec les cartes noires. Oui? Une par une. Très clair. On n'a rien à faire, rien de spécial. Seulement laisser les cartes. Maintenant, peut-être que tous les cartes. Ah non? Ce sont les cartes rouges. Et ici, ce sont les cartes. Non, merci beaucoup. Tout pas toi que tu as seulement gagné ça. Non, tu vas faire. Et
les deux s'appellent les deux que c'est bien mélangé. Venez. On va faire un peu plus de cœur. Et 3, 6, 8, ça fait. C'est bien. Je crois qu'il y a 16 cas. Je suis passé. Mais le tout, c'est le tout que on. Bien mélanger. Et on va aussi mélanger la même façon. Non? On va mélanger une bouche noire, une bouche noire, une bouche noire, là, comme ça. Hein? C'est toujours la même chose qu'on doit voir que ce sont bien mélangées les cartes au chef. Hein? D'accord? Bien mélanger. Je suis pas sûr qu'ils sont exactement une par une, peut-être qu'il y a des. Pas de problème. C'est bien mélangé. Oui, les couleurs, c'est bien mélangé. Bien mélangé, pas de problème. On va faire aussi comme ça, et on va mélanger le plus spécial que possible. C'est pas facile, mais on va faire comme ça et comme ça. Alors, c'est bien mélangé. Oui, rouge et noir, oui. Et de toute façon, c'est bien si on peut voir ici que c'est une rouge, des noirs, quatre rouges, des noirs, trois rouges, des noirs, un rouge. Mélangé. Oui, par oui. Ça. Par ça. Rien de spécial. On va mélanger un peu plus. On va faire comme ça. Et comme ça, tous les cas, on va se mettre dans un désordre. Désordre, on dit désordre. 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 Très bien la prononciation. et maintenant, ajoute-moi, Pedro. Mélange. Comme ça. Boum, paf. Plouf. Bien mélangé. Brutalmente mezcladas. Brutalement mélangé. Mais, si on laisse un moment, on fait comme ça. On fait ça doucement. Avec un peu de temps, le temps que c'est bien mélangé, les jeux, il vient. C'est on peut mélanger un peu plus. Bien mélanger. Comment s'appelle ce tour? Le tour qui est bien mélangé. Bien mélangé. D'accord. Et je vais faire comme ça. Je vais prendre les restes des paquets de cas. Oui? Et on va mélanger ça et ça. Comme ça, déjà, tous les paquets de cas sont très très bien mélangés. Au début, tu as mélangé, Nilo, elle a mélangé, mais on fait comme ça. Si on fait comme ça, seulement une question de faire comme ça. Maintenant, tous les paquets qui ont devenu bien mélangés, ils deviennent tous les noirs ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une. Comment se dit c'est, Quelqu'un. Non, la banda élastique. Ah, élastique. Sí, l'élastique, c'est. On doit examiner, hay que examinarlo. Sí. Sí, nada. Consuelo, por favor. Digo por favor parce que él es de Colombia. Ah, oui. Élastique. On va essayer à faire. Hein? Le tour des cas vient mélanger. On mélange un peu plus parce que sinon son tour se tourne noir comme ça. Hein? Un peu plus. Ta-ta-ta-ta-ta. Et un peu plus. Tchas-tchas. Et maintenant, l'idée, c'est comme ça. Je vais vous demander de prendre les cas et mettre une par une les cartes ici, comptant 1, 2, 3, 10 cartes. 10 cas. 10 cas. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf,
10. Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment 10? Tu peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Oui, 10. Et la même chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les autres cas, pas d'importance. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This. No, rien dans la masse. No? No. Nada. Attention, peut-être que j'ai fait ça, et dans ce moment j'ai fait quelque chose, non. Cuenta. 1, 2, 3. L'idée, c'est la suivante. Tu peux prendre l'élastique. Tu peux mettre votre cas dans la main, non? Les cas dans la main. Oui, comme ça. Tous les temps, les 10 cas dans la main. Alors, il y a 10, tu vas compter deux fois. Et ici, la même chose. Et tu vas mettre l'élastique. Comme ça, je ne peux pas faire rien de spécial, de tricherie. Non, parce que... Le 10 quarts à vous, c'est dans la main. Le 10 quarts aussi, c'est comme ça. Maintenant, l'idée, c'est que vous va penser des quarts, pensez seulement penser des quarts d'ici, et il va faire le voyage, il va venir ici. Moi, je ne crois pas. Je ne le crois. Pedro, je passe les cartes. Tú piensa una carta negra, que no sea esta. Yo te las muestro. Vale. Yo di que él va a pensar en carta noir. Es hacer como ça. ¿Bien? Uh-huh. ¿Tú ves que yo te montre encore? No. Noir. Ah, no, perdona, he cogido una roja. Rojo. Ok, pas de problème, rouge, pas de problème. Il est spécial, il préfère. Alors, rouge. Mais tu te souviens de la carte? Si. Je te montre encore une fois pour voir si c'est ici. La carte rouge, c'est ici, c'est? Si. Ici, hein? Avec, rouge. Arsenio. Je connais ton nom. Arsenio. Alors, rouge, non? Alors, pour toi, noir. Non, pas esta, non, esta primera. No. De las que están aquí, eh? Je te montre. Noir? Sí. La carte 6, sí, está aquí? Está, no me la digas, está aquí. La carta que yo he pensado, sí. Está aquí, ¿seguro? Sí. ¿Sí? ¿On va a montrer encore? ¿Sí? Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Atención. ¿Quieres quitarle el elástico? Cuenta conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Quieres contar ahí? No, boca abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. No. Merci. Porque para mí, hacer que dos cartas voyagen, c'est très facile. Le difícil es que se le carpense, que personne connaît, nadie conoce. Seulement vous, solo ustedes conocen. Pour la première fois, quelle est la carte? Le 2 de cœur. 2 de cœur. 3 de trèfle. 3 de trèfle. 3 de trèfle, 2 de cœur. Non. Dale la vuelta a todas. Todas juntas.
Ici, les trois de trèfle. Wow. Ici, les deux de trèfle. ¿Quién tiene una moneda? ¿Pieza? ¿Moneda? No, moneda, ¿no? Ah, en el bolso. Sí, yo tengo. Son pequeñas. Aquí hay, pero vale algo. No, no, ¿de cuál? C'est seulement pour préparer les doigts pour les prochains exercices. Y la concentración. Ok. ¿Ya están? Esta vez era verdad. Bueno. On va faire toujours avec les cartes, mais sans l'élastique. On ne fera pas. Et pour ce tour, je vais faire une chose très spéciale. C'est comme ça. Je voudrais. Pepe, tu peux m'aider, me puedes ayudar? Tu as un horloge. Laura. Laura, Laura, sí. Dígame menos 20. 21 a 40. Sí, sí. 20 a 40. 20 a 40. 10 menos 20. Sí. On commence, c'est tout, a 20 a 40. D'accord? La guitarra es toda. Bueno, l'idée c'est comme ça. Je vais toujours mélanger, mais ça, le problème c'est comme ça. On va mettre comme ça et on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la quinta carta. 1, 2, 3, 4, 5. 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Si me equivoco, decirme por qué. Si yo me trompo, cans. 20, la 20e. ¿Sí? 20e. 25. 25, el sol. L'idée de ça, c'est comme ça. C'est, je t'en prie, quand je me retourne, je me mettrai à part, de penser à un numéro. Mais ce tour commence à 21, 40, et c'est un tour dramatique, très spécialement dramatique. Il y a quelqu'un qui va mourir. Alguien va à mourir. Il devient blanche. Non. Pas une personne, mais une carte. Une carte. Et tu vas faire les rôles, on dit oui. Les rôles de l'envoyée de la parca, la morte. La morte, d'accord. Alors tu vas penser, ça c'est une cité d'Écart, cité, la ville d'Écart, et tu vas penser à un numéro que c'est le numéro de la rue. Ça veut dire, si tu penses les 15, tu prends sa carte. Si 17, 10 cas. Et tu vas prendre la carte, la mettre à part, sans la regarder. Oui, seulement comme ça. Et premièrement, tu dis à tout le monde avec les doigts quel est le numéro. D'accord? C'est bon. Je n'entends pas. Pas les 6 premières parce que c'est beaucoup facile, un peu plus comme ça. Hein? D'accord. Je retourne, je m'en veux, je ne regarde pas. Regarde à moi, je ne regarde pas. Hein? Oh, mettre ta main comme ça. Non, elle, mettre ta main comme ça. Ça va. Ça y est? Si. C'est bon. Maintenant, pousse les autres cartes pour aligner tous les cartes. Empújalas para que queden en una cinta extendida, pero empújalas sobresaliente. ¿Repite? Empujar las sobresalientes. D'accord. No. C'est bon. Pero deja extendidas, ¿eh? Sí. Ya. Touche les cartes, parce que sinon je peux connaître où est-ce que tu as pris une carte. Oui, d'accord. Hein? Merci. C'est bon. Alors, retourne la carte. On peut voir la carte sans problème. On peut voir la carte. Le 7 de trèfle.
Si tu as pensé un autre numéro, c'est un autre cas différent. Non, non, mais c'est de cas. 7 de trèfle. Je t'en prie de mettre tous les cas ensemble et mettre comme ça. Et la main, ah non, non comme ça. Les 7 de trèfle. C'est Salakar qui va mourir. Maintenant, c'est 20h44. 44. Normalement, quand j'ai fait en espagnol, c'est plus rapide. Et Pedro. Pedro. Et... 5. 5. Oh. Non. Oui. Oui, oui. Parce que la carte doit mourir. Maintenant, 44, la carte. Non. Et fait la même chose que moi. La même chose. Clac. Et clac. Le 7 de trèfle, vraiment. Il est mort. Il est mort. Ouais. Comme ça. Ouais, c'est très difficile. Comme ça. À mettre comme ça. Comme ça. Et je vais mettre les cartes ici. Oui. Pas les cartes, les petits morceaux. Oui, les petits morceaux. Et tu mets la main comme ça. Alors, Pedro, pon tu mano encima, extendida. Encima, comme une lápida. Comment on dit lápida? Comme une pierre, une longue pierre. Et maintenant, ce sont 45. À 45, il y a une carte que tu as choisi, que c'est mort, que c'est, comment se dit, enterrada. Enterré. Mais, si tu mets ton hacia atrás, ¿cómo se dice hacia atrás? En arrière. En arrière, a menos 20. 21, 40. C'est le moment qu'on a commencé. Et maintenant, jamais je ne fais rien parce que tu es peut-être que la caméra s'arrête, mais tu es toujours comme ça et toujours comme ça, je ne fais rien. À ce moment-là, 21, 40, il n'y avait ta main, non, estaba la main. Elle n'était pas là. Il n'y avait intérêt, rien. 21, 40, tu n'avais pas pensé le numéro de la rue. Non. Quel est le numéro de la rue? Le 28. 28. Tu peux incorrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. No la muestre, ponla aquí. Si tú habías dicho 27, se sacaba 20, sí, sí. Sí, oui, diferente cas, o el número, sí, diferente cas, diferente cas, diferente cas, diferente, sí. Pero tú has dicho 28, et retour, pour voir, sí, y la carta. L'horloge no, parce que sinon demain, sinon mañana, tu vas aller à dentiste et oh, Juanito, por qué? Je vais faire un petit, comment ça dit, break, descanso. Petite break. Pause. Petite, entracte. Ok. Et on revient et on va faire un tour pour connaître le futur d'une personne. Par exemple, à toi, Sonia. Oui? Tu ne parles pas français, non? Non? Mais je te dis en espagnol. Hein? Oui. Et tu crois dans l'horoscope? Tu crées dans l'horoscope? Si. Oh non, c'est... Je vais faire que on va connaître, oui. Vamos a conocer la suerte, la chance. La chance que tu vas avoir les prochaines années. Mucha. Mucha. On va faire comme ça, on va aller les cas.
Tu vas prendre un cas, pas maintenant, todavía non, un cas, pousse un cas, autre d'aquí, autre d'aquí, autre d'aquí, cinq cas. Cinq cas. D'accord. Oui. Une. Un. Deux. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Tu as pris les cas que tu as voulu, oui. C'est la que j'ai fait. Tu peux bien sûr prendre ces cas ou ces cas ou ces cas. On dit que les cartes noires, ce sont la chance mauvaise. La carte rouge, la carte noire. Et, tu peux prendre quelques cas ici, et après, c'est simple. On va voir. Non, mais seulement une. Une carte, hein. Pas de problème, pas de problème. De 100 cartes que tu es, hein. Oh. Noir. Noir. Il y a un petit rouge. Noir. Mais c'est moins deux. Mais il y a trois encore. Hein? Tu as pris de différentes failles. Oui. Tu as pris de noir. Sonia, vraiment, je ne crois pas. Alors, si tu veux, on s'arrête, paramos ou tu veux continuer? Sí, ¿no? Todos tenemos que morir algún día. Ay. No, vraiment, la magie, c'est pas pour ça, parce que realmente no. Je crois pas. Alors, on finit, on fait un autre tour. Hacemos otro juego, ¿eh? C'est bien. No. ¿Te veux voir? Tu as pris. Oh! Sonia, je suis content de te connaître. Non, mais la magie, c'est pas pour faire ça. La magie, c'est pour donner la chance. Ah. Ouf. Mieux, Sonia. Tu puedes cambiar, sí, con Alicia. Alicia. Y los libros, por favor, Consuelo. Cuatro libros. Alicia. ¿Tu nombre es Alicia? ¿Cuál es este conector? Alicia. El nombre? Tamariz. ¡Tamariz, hija! Él no es Mafil, ¿no? Mira, vamos a... Continúe, ¿sí? Por cierto, hay cuatro bouquins, cuatro libros, y vamos a utilizar después, ¿sí? O corta un momento. Un petit pause. On a fait une pause pour ajouter quelques points. Please, il y a six bouquins. Quiero que lo mezcle, señor Gaitán. Muy bien. Fomelage. Oui, très bien. Ah, je coupe. Merci. Je coupe. Alors, aquí están tus libros, así seis libros. Muy bien. Monsieur Pedro, coge un libro. Pero bueno, que no sea de magia, mejor cualquiera, este. ¿Este libro? ¿Seguro? Sí. No quiere. Si quieres cambiar, si veux changer, él peut changer. Si quieres, si no, no. 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 Nada, ¿no quiere cambiar? No. ¿Seguro? Seguro. No. Entonces vamos a dejar estos aquí y vamos a hacer lo siguiente, vamos a mezclar un poquitito así. Melange, siempre melange. Melange. ¿Sabes mezclar así?
En français. Puedes empujar. Y ahora te voy a pedir, yo no toco, je ne touche pas, je ne touche pas. Te la mélangé, je ne touche pas. Coge todas las cartas. Por favor, pon seis cartas una por una ahí, las de arriba, seis, en un paquete, no, en un paquete, una, six cartes, juntito, otras seis cartas. Je ne touche pas, seis, así siempre. Más. Más. ¿Está bien? Pero hay seis o siete. No, je ne touche pas, je ne touche pas. Seis. ¿Más o está bien? Pues bueno. Este, aparte. Il y a quelques paquets de cartes après qu'elle a mélangé. Alors Gaëtan, non Gaëtan, toi-même, tu vas choisir un paquet. Non, toi c'est ma fille. Consuelo, je ne te connais pas. On est mariés, mais. Non, Consuelo. Nilo, toi, tu vas à choisir, je vais te dire après en espagnol, tu vas à élire. Un paquete, todavía no, après, tu vas choisir un paquete, après. Et le paquet que tu choisis, on va a faire l'addition de numéros, a sumar los números de las cartas. Si il y a une figure, wow, vale, c'est 10, las figuras 10, todas 10. Quel est le paquet que tu préfères, dice. ¿Cuál prefieres? ¿Este? ¿Pasa? ¿Este no? ¿Este? Cógelo. No lo mires, ponlo ahí, déjalo. Si el pecho así, sí, si el aso así, sí, si son 8 y 2, 10 y 7, 17 y 4, 21 y 10, 31. Si el choisi en otro paquete, sí, si es número de. Se, tu, toujours digo, me el aso así, ese paquete. Tipe, montré le. No. Tú también, sí. Sin que no lo vea. Ah. Que no lo mire, Ramón. No. Aquí. Es que sí. ¿Lo sube, no? Sí. Les figures, ce sont 10. Les figures, c'est 10. ¿Qué número hace especial? La choisie, après, tu as mélangé bien, tu as fait des paquets, la choisie en numéro, et tu as choisie en bouquin. Un libro. ¿Cuánto sale? 49. 49. ¿Sí? ¿Seguro? 10, 20, 30, 38, 45, 49. 49. Type ofre por la page 49. Il faut se souvenir que c'est un bouquin de quelques bouquins que on a porté. Tu as bien mélangé les paquets, tu as fait les paquets, la choisie, ¿verdad? Mira la página 49, la primera línea, piensa lo que dice, pense en la no digas nada, piensa, imágenes, ¿cómo es? Image, no la palabra, pero, je vois une grande maison, je vais une habitation, une chambre, une habitation, je vais qu'il y a quelqu'un qui ouvre et qui ferme la porte, et une autre personne la même chose, et si más que tu as pensé c'est quelqu'un qui ou quelque chose qui ouvre la porte, et je ne sais pas quoi, je suis passé, parce que c'est très difficile. Pedir ¿puedes decir en voz alta qué dice? Dos puertas más respiraban en la estancia. Dos puertas. ¿De port? Exactamente. ¡Qué bueno! En la estancia, en la chambre. ¡Qué bueno! Quelques bouquins, toujours mélanger. Et il va faire toi, hein? Tu mélanges bien.
Et mettre la carte, ponte de pied, ne t'importe. Il va se mettre de pied. Debout. Pas de pieux, mais debout. Debout. Ponlas en la espalda, en la espalda. Y mezcla. C'est très difficile mélanger derrière. Sí, sí, sí. Et maintenant, l'idée c'est que tu vas prendre un quart quelqu'un, je ne regarde pas. Tu vas prendre la quart, tu coupes, corta. Et maintenant, tu dois prendre seulement un quart. La quart, la deuxième par-dessus. Du dessus. La seconde par arriba. Non la tercera, pas la troisième, o sea, pas la première. Corto. Cortas, sí. Y ahora mira la segunda por arriba. Por el lado de arriba. De la baraja, sí. La superior. No la primera, la segunda. ¿Detrás? Siempre detrás. Detrás tuya. Sí, detrás por ahí. Sí. Muy bien. Perfecto. Y ahora la sacas, la miras y la muestras a todos. Pero antes de mostrar, yo me quito esto y tú me tapas así. Tápame bien. ¿Está ahí? ¿Está? No. ¿Te has mostrado? Casi. ¿Ya? Oui. Bueno, ahora, Pedro, ponla donde estaba, siempre en la espalda, siempre en la espalda. En segundo lugar por arriba, deuxième par-dessus. La segunda por arriba. ¿Está? En estas condiciones, dans ces conditions, la mélanger, la deuxième par-dessus, la deuxième par-dessus. Yo no puedo, je peux pas connaître, peux connaître quelque chose. Bien. No. Oui. Sí, oui. Je peux connaître que c'est deuxième par-dessus. Parce que la carte qu'il a choisie, c'est rouge. Oui. La carte qu'il a choisie, c'est rouge. Oui. J'ai senti rouge. corta, coupe. Quand elle coupe, je ne connais pas. Corta. Sí, corta et complète. Je ne peux pas rien connaître parce qu'il a coupé. No puedo saber nada. Est-ce que je peux connaître quelqu'un? Oui! Parce que normalement, on ne coupe pas la moitié. Maintenant, la carte, c'est moitié et de plus. T'as la mitad et deux mois. Et alors, mélange, mezcla. Je ne peux pas connaître. Oui? La carte qu'il a cogido est une figure, si? ¿Sí? No, tiene una figura bonita. La carte, je dis que la carte que la choisi, c'est très joli. C'est une carte. J'aime bien. J'aime bien. Corazones, ¿sí? No, no, pero puede ser. Corazones, romo. ¿Sí, quoi? Ah, uno, dos, tres, cuatro. De Roma. De car, de cajo. ¿Es la carta? ¿Sí? Qué bueno. Gracias. Tiene poder. Pero ya que estamos en mentalismo, quiero que me ayude otra persona. ¿Quién puede cambiar? Alicia. Cambia, sí, cambiaros vosotros. Javi, vente aquí, anda. Un aplauso para el señor. Sí, pasa. Los dos saltos. Muy bien. Y ahora, aquí, ¿quién se pone? Ah, bueno. Lo difícil de este juego es sentaros. Sí. ¿Alguien viene aquí? ¿Nadie? Bueno, pues Pedro. Pour finir, on va faire un tour d'adivination. Pas sin cas, pas seulement, voy a adivinar, no una carta más difícil. Más difícil. ¿Cómo se llama Pedro? ¿Qué es que se saca de usted? Mélange. Avec la habilidad, ¿cómo es? La habilité especial de magicien. Característica de magicien. Vamos a hacer así. Está bien las cartas bien mezcladas.
puedes ver que están bien mezcladas, ¿sí? Voy a mezclar un poquito más, voy a mezclar así un poquito para que esté bien mezclado. Y ahora te voy a pedir, je vais demander à toi que tu coupes à moitié, la mitad. Vuelve una mitad, que tú une moitié, sé que te digo. Muy bien, perfecto. Y vamos a mezclar así, ¿sí? Poco. On va mélanger comme ça. Face en l'air et face en bas. Empuja las cartas para que no... muy bien. Bien mélangé. Par ici, oui? Sí. Bien mélangé. Je ne regarde pas, pero voy a mélanger un poco a... Ça, c'est mélanger. En espagnol, mélanger. Bueno, está. Bien mélangé, oui? Oui. Quiero que ahora yo no miro y tú coges un paquete menos de la mitad y lo llevas al bolsillo. Cuando je ne regarde pas, il va prendre un paquet de cas y la mete en la poche. Guárdalo. ¿Está? 10. Guárdalo en el bolsillo. 10. 30 semanas. Tía, tú puedes prendre quelques numéros de cas. Tú no conoces pas les numéros, tú no sabes cuántas hay. No. Nadie sabe. Ya sé. La carta bien mélangée, tu, ¿eh? ¿Dónde está? ¿En qué posición? Quinze cartes. 15. Ah. Saca y las cuentas en, tal como están, una a una encima del montón. Ticón. Rápidamente en español. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Mira, vamos a dar. Yo no quiero mirar, ¿sí? ¿Ya? ¿Puedo mirar? Sí. Ya puedo mirar. Kanska, Ejecua, están así, ¿no? Sí. Se son como ça. Sika, 6. Están para un lado y 9 nef por el otro. Peut-être que si te hace como ça. 6 y nef. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Mete tu le carta en la même sens, ponlas todas hacia abajo, que yo no las vea. Vale. ¿Ya? Sí. Y ahora guárdalas en la mano, ¿eh? Sí. Ábrelas en abanico, en eventail, sí. Pasan todas, que tú las veas, que las vea la cámara, sí, hacia la cámara. Y dime un couleur. Rouge. No, un couleur de... De... Ah, un palo. Palo. Cao. Cao. Mira, recuerda. Le trois de cao. El tres. Sí. Bueno, aquí. El 2, le 2. ¿Sí? Sí. Y ya no hay más carros, ¿verdad? No. No. Pas plus. Sí. Dime otro palo, en otro calcular. Trèfle. La dame. Sí. La dame de trèfle. Sí. Sí, por ahí. Le roi. El rey, le roi. Sí. ¿Sí? Y no hay más. No hay más tréboles, ¿verdad? No. Y espérate. Pon aquí, le saint de coeur, ponlo aquí. El 5 de corazones. Sí. ¿Sí? Nef de pique. 9 de picas, sí. 2 de picas, 2 de picas, sí. Oui, la dame de coeur, sí. Le 8 de coeur, le 9 de coeur, el 8 y el 9, sí. Sí. El 6 de picas, 5 sí. De picas, 6 de picas, sí. La jack, el ballet, sí. La jota de corazones, sí. El 3 de picas, sí. Sí. El 8 de picas, sí. Yeah.
On va commencer pour expliquer le tour des les deux couleurs qui se mettent en ordre, au même ordre. Je nomme ce tour Dispiel parce que c'est Leipzig au contraire, Dispiel. C'est parce que l'effet c'est le même que populariser Leipzig, mais au contraire. Pour faire le tour, il faut mettre en avance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et faire comme ça. Faire des cartes, les rois et les l'as, ensemble, en même temps, des cartes. En dessus, en dessous, des cas. Et maintenant, quand on arrive à les trois dernières cas qui sont ici, on fait comme ça, on fait les six, mais on met les cas comme ça et on passe des cas en bas. Hein? Comme vous pouvez regarder encore dans les DVD, je ne répète pas. Et maintenant, c'est mettre dans l'autre ordre, la version de tout. Tous les cas. Et comme ça, c'est les 8 en bas et les 7 en haut. Et c'est au-dessus, sur le paquet, sur le reste du paquet. Et on commence en mélangeant, sans faire rien à les 13 cas qui restent en haut. Et on fait comme ça, papa. Et maintenant, on vraiment coupe et le spectateur lui-même, il mélange. Et mélange une fois, deuxième fois je mélange et quand je vais mélanger, je vais mélanger, je coupe, mais pas pour l'amitié, mais un peu plus que moitié, parce que maintenant tous les 13 quarts seront ici dans le même ordre, mais avec des quarts entre elles. Hein. Et ça veut dire que maintenant il y a les 8, les 5, les 9, les mêmes ordres, mais jusqu'ici, d'ici par ici c'est le cœur. Ici, il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de cœur. Alors, ça ne fait rien si on coupe comme ça et on mélange encore une fois. Quand on demande, on dit, dis-moi une couleur. S'il dit cœur, formidable. S'il dit pic, on dit d'accord, pic. Et on sort le pic. Et après, on dit pic, c'est bien avec le cœur. Et on sort le cœur. De toute façon, on sort le cœur, que c'est les couleurs que j'ai mis en nom. Hein. Alors, disons que je dis, ben, ça me trèfle. Je dis, alors, je peux prendre le trèfle. Quand je prends le trèfle, je fais comme ça, je sors tous les trèfles et il y a quelqu'un qui sont à côté. Hein, à côté, comme ça. Et le trèfle, et le trèfle, 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 trèfle. Comme ça, quand on fait comme ça, on peut faire comme ça. Et on voit que ça n'a pas d'importance, l'ordre. Parce qu'on peut prendre ici, 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 ici. Et on dit avec les trèfles, c'est bien en couleur rouge, peut-être cœur, c'est bien. Ouais. Alors, et on fait. Si on dit cœur au début, formidable. Et cette fois, j'ai fait la même chose et j'ai laissé tomber l'écart de cœur, mais toujours, on fait qu'il y a un petit morceau de la carte qui vient sur la carte antérieure. Ça veut dire que quand je prends, je ne fais pas comme ça, mais je fais comme ça. Comme ça, et 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 comme ça. Alors, il semble pas énorme, mais c'est vraiment énorme. J'ai fait comme ça, et tous les cas sont dans l'ordre précis. Maintenant, qu'est-ce que ça passe? Ici, c'est le 7. C'est la carte que je vais forcer après dans les valeurs de trèfle. Le 7. Et si tous les autres cas sont 8, 9, 10, 8, 9, 10, entre lui, 5, 4, 3, 2, c'est une par une entre la C. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on doit retourner sa carte, secrètement. Alors, ce qu'on fait, c'est mélanger, je donne à quelqu'un ici ou quelqu'un ici, mélanger, et quand je dis mélanger, je mélange, mais faussement, faux mélange. Toujours dans le même mot. Et quand je suis ici, j'ai fait une tension, mélanger bien, et quand je repose dans les mouvements, j'ai fait comme ça, dans les mouvements. Les grands mouvements cachent les petits mouvements, les secrets mouvements. Et aussi, c'est la tension et la relaxation. Tout le temps, la technique dans la relaxation. Relaxation, comment on dit? Relaxation.
relaxation. Hein? C'est Gatan qui... Alors, mélangez bien. Et on a tourné la carte. D'accord, sans regarder. Alors, il y a les 7 ici. On va montrer les cartes pour montrer qu'ils sont des ordres. Mais, en ce moment, dans l'action de montrer, je vais faire les... Beedle style, voleur. Ça veut dire, je prends les 8 et quand je mets les 5, je mets les 8 ici. Tac. Sans laisser voir ça. Hein? Alors, ça, vous connaissez, non? C'est 1, tac. Les 8, c'est ici. Les mêmes avec les 9, les 10, les valets, un par un. Mais ceux qui ont comme ça, et maintenant, quand on jette les 9, on peut les mettre les doigts ici. Et quand on fait comme ça, bloup, on prend les 9. Les 10, et on prend les 10. Les valets, et on prend les valets. Les dames, et on prend les dames. Les rois, et on prend les... Les rois, et on s'arrête dans les rois. Qu'est-ce que ça passait? Quand je coupe ici... Tous les cartes viennent en ordre, sauf les 7 qui s'est retourné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a seulement un problème que je vais expliquer. Je recommence. Hein? Au début, je faisais comme ça, avant de faire le tour. Je faisais comme ça, il y a des cartes ici, etc. J'ai retourné les 7. Hein? Mélangé, boum. Retourné. Et maintenant, je prends les 8. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui voit que c'est les 8, un cas, les 9, un cas, les 10, un cas. Mais je vais parler, je vais dire le nom des un quart de l'écart de 8, 9, 10, valets, et je nomme entre lui quelques cartes de 5, 4, 3, de l'écart de base. Je dis comme ça. Ici, c'est les 5, c'est les 10, c'est les valets, c'est les 2, c'est les rois. Et comme ça, on entend les rois, les valets, les deux, et on voit pas, on n'entend pas que c'est neuf. J'ai fini, j'ai fait comme ça, alors le cas est en ordre, et je mets à part. Maintenant, je dois mettre en ordre, 1, 2, 3, 4, sans secret, hein, vraiment, hein, vraiment dire sincèrement. Mais c'est un grand problème, c'est un problème dramatique, parce que maintenant, on a fait sortir tous les trèfles, et tous les gens se sont qu'est-ce que ça passe en ce tour. Et tu as montré que c'est bien mélangé, oui, mais qu'est-ce que ça passe? Alors, j'ai fait un promesse impossible. J'ai dit, tu vas prendre un cas, et tout le monde va connaître la case sans regarder la face de la case. Et tout le monde, oh, pas possible. Alors, je regarde où est-ce que c'est le 7, et j'ai fait les forçages classiques des 7. Classique. Il prend les 7. Alors je dis, pour faire ça, on va faire les méthodes déductives. Qu'est-ce que c'est ça? Et alors on fait comme ça, et on fait comme ça, on dit, ici je prends l'as, les 2, les 3, et dans ce moment tout le monde comprend. Presque tout le monde. Il y a des gens qui t'ont un peu plus. Mais tout le monde comprend. Ah, c'est une blague, il rit. Et entre temps qu'il rit, j'ai 6, 7. Ah, il y a qu'une carte qui fait. 2, 9, 10, valet, la dame et le roi. C'est très important que dans ce moment, c'est intéressant pour le public. Si ça passe intéressant, peut-être que le spectateur, il dort. Et à la fin, il y a des faits magiques. C'est pour ça que j'ai fait ces. Spécial bla, et les gens disent ah, mais okay. Je prends les 7 et je dis je ne montre pas, c'est pas nécessaire. Il y a quelqu'un qui dit ah, pourquoi, peut-être que c'est pas les 7, mais il a changé, mais c'est un peu d'intérêt en plus. Ta 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 ta, les rois, ta 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 ta, les 7, et maintenant seulement pour finir. Et on commence le tour ici. Tout en avant, c'est seulement de la technique, de la blabla, de la présentation, d'introduction, de la dramatisation. Mais maintenant, c'est commence le fait vraiment. Maintenant, tout le monde doit être sûr que ici, c'est un désordre, parce qu'il a mélangé tout ça. Et ici, c'est un ordre. Alors, on doit
mettre en valeur ça. Si je fais comme ça, tous les cœurs que tu as mélangés, sans regarder à la jambe, parce que je dis que tu as regardé, tout le monde regarde là, et là, le focus, c'est pas ici, mais c'est ici, et c'est ici, et c'est pas bon. Et tous les cœurs que tu as mélangés, et tu as mélangé en avance, il y a quelque chose que ça passe, et là, la voix, la dramatisation, ta 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 ta. Maintenant, on retourne ta classe. Le tour, c'est fini, on peut montrer que les cases. Mais on commence maintenant le tour. Comment on commence maintenant le tour, l'idée, l'effet dramatique et magique, c'est tous les as, les deux as. Mais les gens peuvent penser, ah, les deux as, peut-être qu'il a coupé l'as, c'est pas extraordinaire. Pas seulement l'as, mais les deux. Et les gens pensent, oh, les deux aussi. Et les trois, quand on montre les trois, ils commencent à comprendre, oh, tous les quatre, non, c'est formidable. Mais quand je montre les quatre, oh, c'est vrai, les cinq, les six. Quand on arrive à les six, c'est fini l'effet. Tout le monde se dit, oh, si c'est les 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis sûr que le seul est le mieux. Alors, on doit donner. Et dans ce moment, les six, que l'intérêt, c'est ta, 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 mais il va tomber. Dans ce moment, on voit qu'il y a une carte retournée. Et moi-même, je dis, qu'est-ce que c'est pas? Ah, je comprends, c'est les sept. Et bon, ah oui, les sept. Et l'intérêt est que, et dans ce moment que les spectateurs, disent, oh, les sept. Et dans ce moment, très vite, j'ai dit, 9, 9, 10, 8, 9, 10, j'ai mettre comme ça, parce que si je continue, valer, dame, c'est trop. On veut comme ça, dit, et ça, et dans le moment que j'ai fait ça, normalement, à la même moment, je me et les rois, et tout l'effet, c'est dramatique, tout l'effet, c'est fort. Et j'espère que vous aimez, que vous ferez pour autre personne, et que tout le monde sera félicité. Pour le deuxième tour, le tour de l'huile et l'eau, le spectateur mélange. 3, 4 fois. Maintenant, j'ai dit, je vais prendre quelques cartes rouges. Et je prends, pas les figures. Je vais mettre ici. Et une rouge, une rouge, une rouge, une rouge. Et il y a 4 ou 5 cartes noires. Et je coupe en bas, sans rien dire. Et maintenant, quelques cartes noires. Par exemple, ça, ça, ça. Et ça, non, pas la figure. Ça, non, il y a beaucoup de cartes. Maintenant, il y a quelques cartes noires et quelques cartes, et quelques cartes rouges qui sont séparées, un peu, 3 ou 4. Hein. Je coupe, il y a 3 ou 4 noires, ou 5, 6 et 7. Hein. C'est parce que j'ai pris des cartes intermédiaires. Ouais. Ok, j'ai fait comme ça et j'ai fait un l'huile et l'eau. Ça fait rien que l'huile et l'eau. J'ai fait celui de l'eau, que c'est un des premiers que j'ai appris avec la. Comment se dit, c'est la carte. La carte glissée, en fait. Glissée, la carte glissée. C'est formidable, hein? Pour moi, c'est formidable, parce qu'on fait comme ça, ta ta ta, on montre. Vraiment, c'est la feinte. C'est très important pour moi, la feinte est magie. Maintenant, on n'utilise pas beaucoup, mais j'aime beaucoup. Et Robert Houdin est formidable. Et j'ai dit, ici sont tous les rouges. Et les gens, non, non, c'est noir. Ah, excusez-moi, c'est important. Et maintenant, on fait ta, 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 ta. Cette fois, on fait la carte glissée, ta, ta. Et ce que c'est bien, c'est qu'on dit rouge. Et on commence en disant, et noir. Quand on dit noir, on montre ici. Et on voit noir et on entend noir, et c'est bien. Mais on n'a pas montré ça. C'est la première. Après, on dit noir, deuxième. Noir, la troisième fois. Et après, on dit et noir. Et ils entendent 4 fois noir. Et on voit, on pense qu'on a vu 4 cartes noires. Après, vous savez, vous connaissez. C'est ici, il y a une carte rouge et une carte noire. On montre, ça montrait la première, ta 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 ta, ça montrait ça en regardant le spectateur, ta ta ta, pom pom. Et maintenant, très doucement, montrer, ta ta, et la même chose, la carte glissée, et c'est noir, très très lentement, et c'est noir,
quand on voit le troisième noir, le spectateur, il croit déjà. Et maintenant, ce n'est pas nécessaire. Et cette fois, on ne peut pas montrer. Et on, les quatre noirs, parce qu'ici, c'est important, parce qu'ici, on a... Qu'est-ce qu'on a? Les quatre rouges. Oh, formidable. Maintenant, on, dit, on va comment mettre plus de cas. Pas les cartes, la figure. Pas les figures. Et on ajoute quatre cartes noires. Quatre cartes noires. Et on coupe tous les rouges. Tous les rouges, on coupe. Oui. Et on voit ces cartes noires, on met à part. Et non, c'est mis ici. Non, rouge, rouge, rouge. Et on ajoute quelques cartes rouges. Et toutes les cartes noires d'ici, on coupe. Maintenant, il y a beaucoup de cartes rouges et beaucoup de cartes noires. Un petit paquet, pas beaucoup, mais un petit paquet. Et 8K et 8K. Hein? Rouge et noir. Maintenant, on dira avec 8K. J'ai fait les passes de Luis Trueba, un magicien espagnol, formidable mouvement, très bon, qui c'est comme ça. On dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 rouges. C'est vrai, rien à faire. Et quand on met ici, en bas, on dit 1, 2, 3, 4. Quand il y a 1, 2, 3, 4, on met tous les autres quarts ici et continue comme ça. Alors, les 4 quarts, les 8 quarts rouges sont entre les 4 quarts noires de dessus et les 4 quarts noires de dessous. C'est au milieu. Et on cache avec la main, parce que sinon on voit. On cache, on dit le rouge et le noir. Et c'est une question seulement de faire comme ça, et tous les cas sont au milieu. Et maintenant, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce que ça passe maintenant, c'est qu'il y a 4 cartes noires et 4 cartes rouges dans chaque paquet. Les rouges sont un an. Mais les spectateurs, ils pensent qu'ils sont rouges et noirs. Et on montre, on dit, on va mélanger les cartes rouges. Entre temps qu'on dit ça, on montre seulement de ce côté 4 cartes avec les cartes noires. Avec les cartes noires. Les spectateurs avec les cartes noires. Et on compte 8 cartes. On prend les 8 cartes. C'est pas nécessaire d'égaliser. Non, pas nécessaire. Dans ce moment, on fait comme ça, on dit, et maintenant. Toutes les cartes noires et toutes les cartes rouges. Donc on va faire encore une fois. Et on prend quelques cartes 8 en plus, parce qu'on a besoin de 16 cartes rouges, 16 cartes noires. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Et la même chose. 3. Et s'il y a quelqu'un qui manque, qui c'est pas bon, on mettra en bas. Maintenant, toutes les cartes d'ici sont séparées les couleurs. Et j'ai fait comme ça, je vais mettre avec une jog, la carte sortie par ici, en noir, la moitié, et je laisse ici. Ici, c'est la carte, la séparation. Maintenant, j'ai fait comme ça, j'ai dit, ah, on va faire la même chose, et on retourne, on va même mélanger. Bien, les rouges et les noirs. Maintenant, le spectateur, il peut penser, oh, il a fait encore une fois quelque chose de spécial, je ne sais pas quoi. Peut-être qu'ils ne sont pas rouges et noirs, quelque chose. Et on dit, je pense qu'ils sont bien, je suis passé. Quand on montre, ah, on comprend qu'en avance, quand il y avait 8 cas ou 4 cas, toujours la même chose, la situation initiale, c'est rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, l'alternation de couleurs. Maintenant, je fais comme ça. Je mélange un peu, faux mélange. On peut aussi mélanger, par exemple, un numéro impair de cas. 1, 2, 3, 4, 5, 5 mètres. 1, 2, 3 mètres. Parce que rien ne change avec impair. Et maintenant, on va mélanger et on fait moitié, on coupe par moitié. Et on fait la mélange faro. Faro. Mélange faro. Et on fait comme ça. Et on mélange. Maintenant, les cartes sont départées. Oui. Mais je coupe une carte d'ici, ici. Je coupe. Je fais comme ça et coupe. Alors, il y a une.
et des. Mais on doit montrer que ce ne sont pas des par des ou un par un. Alors, une par une. Alors, j'ai fait comme ça. J'ai fait des quarts, par exemple, 7 quarts et 7 quarts. J'ai fait le mouvement de off-sincer, glisser un petit peu et glisser un petit peu comme ça. Alors, tous les cas, ce sont comme ça, comme ça. Et j'ai fait. Alors, tu peux voir qu'il y a un quart rouge, noir, un quart rouge, quatre quarts noirs. C'est pas vrai parce qu'il y a deux quarts au milieu. Mais quatre noirs et on fait, on mente. Miente, mente. Mon. On dit trois noirs, deux rouges, deux noirs, deux rouges et un noir. Et quand on voit deux rouges et un noir, on a dit trois, c'est pas vrai. On dit quatre, c'est vrai. La sensation, c'est comme ça, non? De tous les cas, se sont bien mélangés, je ne suis pas sûr, mais il y a une carte noire, des rouges, quatre cartes noires, trois rouges, des noirs, des rouges et un noir mélangé. Et les gens, oh, mélangé, mais ce n'est pas vrai. On coupe la carte ici, alors ce sont des parés. Et alors, je fais comme ça, ta 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 ta. Qu'est-ce que ça passe? Que ici, on vient tous les cartes noires, rouges, noires, rouges. D'ici jusqu'ici, tous les cartes sont rouges. Et d'ici par là, tous les cartes sont noirs. Alors, on fait comme ça, très vite, ta 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 ta. On dit, et maintenant, il faut mélanger sans faire la mélange de quelques cartes d'ici. Alors, mais c'est bien, on fait comme ça, et comme ça, et comme ça. Et pour les mots, ah, vraiment mélanger, vraiment. Et déjà, c'est fini. Déjà, c'est fini. Parce qu'on fait comme ça, et on dit, on peut mélanger un peu plus, parce que les cartes sont déjà moitié-moitié. Alors, l'important, c'est chaque fois l'effet. Dans le moment de l'effet, c'est le moment important pour moi. Pas les techniques, pas, on commence. Dans l'explication, je ne fais pas, parce que pour le temps. Mais dans l'effet, quand j'ai fait l'effet, souvenez, vous pouvez voir que c'est le moment le plus important de sentir. Sentir vraiment, non? La sensation vraiment dans les magiciens pour les faire. Tous les cartes noires, ce sont maintenant ici, les rouges. Je crois que oui. Noir. Maintenant, on fait la mélange Philadelphia. Philadelphia, ça veut dire qu'on passe des cartes, un par un, deux par deux, trois par deux, ça fait rien. Mais quand on arrive au moitié des paquets, c'est seulement une par une. On fait comme ça, ta, 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 on va mélanger. Maintenant, une par une, et maintenant, 3, 4, 5, ça ne fait rien, parce que les paquets continuent dans la même position. Mélange Philadelphia. 2, 3, 4, ça ne fait rien. Maintenant, une par une, tu, et après, 2, 3, 4, ça fait rien. Les cartes, vraiment, comme ça. Et on fait souvenir, on doit souvenir que la carte noire sont dessus. Et maintenant, quand j'ai fait des fois, maintenant, mais normalement c'est seulement une fois, les cartes noires sont dessus. Et on fait comme ça, on prend ici, en égalisant, on lève la carte qui sort un petit peu, ça veut dire qu'on fait un break, en séparation entre les noirs et les rouges, et avec les gauche, les pouces, ici. Et maintenant, on commence à mélanger les cartes rouges de ce côté et les cartes rouges de l'autre côté. Et quand j'ai fini ici, dans le break, on continue jusqu'au moment qu'on voit ici noir. Quand on voit, je vois ici noir, on continue le noir. Ça veut dire qu'on a mélangé, on fait comme ça, on va faire ici c'est la séparation avec les pouces. Hein? Ah, si lo ves. Noir. On continue jusqu'à rouge. Et continue la mélange. Ta. Et comme ça. Et comme ça, tous les cas, on va faire encore une fois. Ta. C'est comme ça. Je vais mélanger, bien mélanger. Bien mélanger. Ce mouvement, c'est spécial, non? Tout le monde, ah, bien mélanger.
finalement, sans rien faire, il fait comme ça. Et c'est incroyable parce que tout, et c'est le moment de la, de les résumes comme on faisait toujours Robert Houdin, les résumes prêt et feu, avant de les faire. Tu te souviens que tu as mélangé les paquets de cartes. Récapitulation. Tout le monde, oui, se souvient, mais si j'ai fait comme ça, peut-être que tous les cas, ce sont maintenant les cartes rouges, et ici, toutes les cartes noires. C'est dramatique, c'est bon. Il se souvient que c'est bien mélangé. Le tour de les temps en comment ça dit? Le temps pour. À l'envers. Enfin, la remontée dans le temps. La remontée dans le temps. Et tous les tours, c'est comme ça. C'est, acercate, pour favor. Il y a 6 cartes. Roi, 8, 10, 4, 7. Les mêmes, exactement. Les mêmes cartes. Et comme ça, les mêmes cartes. Et comme ça, les mêmes cartes. 6 cartes. Et. Sauf les 6 d'en bas qui sont différents. Jusqu'ici. C'est le paquet miracle, le paquet Al-Coran. Et je fais comme ça. Tata. Et j'ai 6 cartes. Pas la même, différents. Différents 6 cartes. Dans la poche. Quand le spectateur il prend une carte, ça fait, par exemple, la 10e. 3. 6, 9, 10e. Elle prend les cartes. Je suis comme ça. Je prends 6 cartes, l'empalmage. Je me retourne. Et quand j'ai fait ce mouvement, j'ajoute 6 cartes en plus. Qu'est-ce que ça passe? Que maintenant, la carte 10e uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10e carte, c'est la original carte, la même qu'ici. Parce que il y avait vraiment 6 en plus, j'ajoutais 6 cartes. Alors, c'est la même carte. Pareil. Alors, rien à faire, seulement ça. Ajouter 6 cartes et tout le tour est fini. Quand on coupe la carte et on fait le faux dépôt des petits morceaux, tout, on met ici pour regarder les. Vous pouvez voir dans les faits. Et à la fin, rien. Et les mêmes spectateurs, ils comptent tout. Et la 10e carte, c'est ici. Ce que c'est bon, c'est pas seulement la 10e, mais la 9e carte, c'est la même que la 9e en avant. Et on peut montrer aussi. Et à la fin, on peut faire comme ça. On peut montrer ça. Il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on met ici. Et avant de montrer ça, on peut dire. Et tu peux avoir choisi des cartes, on peut montrer 100 cartes en plus. 100 cartes en plus, différentes là. Et aussi, on peut montrer 6 cartes ici, parce que ce sont les cartes que j'ai ajoutées, qu'on a renversées en comptant 1, 2, 3. Et on peut aussi montrer les 6 cartes de dernière qui sont différentes. Alors, on voit beaucoup de cartes différentes, et quand il retourne ça, c'est la même carte qu'il avait choisi. Je suis sûr que vous êtes très intelligent et vous comprenez tout. Pour les tours qu'un spectateur il mélange, fait, prend une carte, des 100 cartes de dessus, il coupe, et on fait la divination de la carte, je ne vais pas expliquer parce que toutes les clés sont dans ce DVD et en plus vous avez l'explication dans mon bouquin de la voix magique, hein,
Alors c'est comme une publicité, mais je crois que vous comprenez très facilement parce que toutes les clés sont dans les mêmes DVD. Les tests de bouquins, c'est le même paquet de l'Alcoran ou de miracles, de six quarts, les mêmes six quarts, et tout ça que j'expliquais pour l'autre tour des thèmes derrière, hein, de la carte coupée qui revient. Mais cette fois, tous les paquets, c'est cinq quarts en différent. Tous les quarts sont les 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange. Dans quelques moments, on passe une par une les quarts, quelques quarts, ça fait rien. 10, 15, ça fait rien. Dans un moment, on met comme ça et on donne à mélanger. Quand le spectateur il mélange, pour le principe de Gilbert, et quand vous prenez 6 quarts, ici, tous les 6 quarts sont les 6 quarts différents. Dans les 6 suivants, tous les quarts sont les 6 quarts différents. Les 6 quarts suivants, tous les quarts sont différents. Et comme ça, toujours. On laisse spectateurs, on dit spectateurs. Non, pas tous, mais vraiment tous. Mais ce n'est pas nécessaire. Alors, quelques paquets qu'il choisit, l'addition sera 10, 10, 10, 30, 38, 45, 49. Tous les paquets. Alors, ce qu'on fait normalement, c'est que tous les cartes sont ici. Ta, 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 ta. J'ai dit de signaler un paquet, ces paquets. Et on dit, si tu avais signalé ces paquets, et j'ai fait un faux addition. Je prends des cartes, et sans montrer les cartes, ça 18. Je ne montre les cartes, je dis 11, 20, 21, et on dit 11. Mais vraiment, ce sont 18. Mais je n'ai pas montré. Alors, ce sont 11. 11, 10, 21, 31, 35, 45. Et tout le monde, 45. Différents paquets, différents. Et ça, quand il regarde, c'est 49. Et je connais les 49 pages de chaque bouquin. Et alors, c'est très facile de dire, faire la divination. Normalement, je ne fais pas dans les shows, mais normalement, j'ai aussi dans la poche 6 quarts. 6 quarts qui sont différents, 6 quarts que quand on fait l'addition, c'est très très différent. Par exemple, on dit que c'est ces quarts d'ici, tchac 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 tchac, 6 quarts. Et il est dans la poche. Quand on a fini, je dis, mettre les quarts, paquet, ces paquets, ça n'a pas d'importance. On me donne, et je prends ces paquets. Et quand je dis comme ça, prends un paquet, ça, c'est paquet, ok. D'accord, les autres paquets différents, par exemple, c'est ça, papa. Et si tu veux choisir, je prends ça, c'est, et je montre, c'est 40-55, parce que j'ai ajouté un paquet. C'est pas nécessaire, mais peut-être que pour le temps en temps, c'est pas mauvais. Et c'est tout, alors c'est la divination de la page. C'est très important l'effet. C'est très important, pas la présentation, mais l'effet. De croire l'effet que ta, 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 on va venir là, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il nous dit. Vraiment, et comme toujours en mentaliste, c'est pas bon de dire exactement les mots qui viennent dans les bouquins, mais l'idée, un peu comme ça, c'est très 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 facile de faire. Pour les tours de les cartes que voyage, des fois la carte pensée, les cartes pensées qu'on voyage, c'est un tour que j'expliquais déjà dans les bouquins de sonata, et que si vous voulez, vous pouvez aller voir, ou vous pouvez penser, ou regarder encore une fois, et je pense que c'est mieux de ne pas expliquer maintenant. Et il y a quelqu'un, j'espère qu'il y a quelqu'un entre vous qui on ne connaît pas, et que comme ça, on peut sentir l'effet bien encore, et quand on arrive à voir dans les bouquins, c'est demain ou après-demain,
vous sentirez un peu plus l'effet. Et c'est tout. Pour finir, je vais expliquer le dernier tour. C'est un tour que j'expliquais dans le bouquin Mnémonica, mais je crois que ça passe encore en français, alors je vais expliquer pour vous. Et c'est comme ça. On doit connaître l'ordre des 26 cartes. 26 cartes. 26 cartes. C'est possible avec quelques ordres mnémoniques ou quelque chose. Par exemple, j'ai mis ici, pour se souvenir très facilement, 1, 2, 3, 10 de pique, 10 de cœur, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de trèfle. Très facile à souvenir. Très facile. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est que je vais mettre 13 cartes, les 13 premières cartes, jusqu'à 10 et 1, 2, 3 de cœur. Ici. Et c'est pas nécessaire de dire que ça, cet ordre, c'est pas bon, c'est seulement pour l'explication. Hein. Il doit être un ordre différent. Hein. Et maintenant, il y a 13 cartes en dessus et 13 cartes en dessous qui sont en ordre. Alors, j'ai fait un mélange, mais la mélange c'est en coupant par moitié. Et j'ai fait seulement, je prends seulement 8 cartes ici et mélange 8 cartes ici. Et très vite fait comme ça. Ça veut dire que les cas, c'est le même ordre, le même ordre. Hein? Oui. Toujours. Et maintenant, j'ai dit à spectateur de couper par moitié et retourner. Et quand il fait comme ça, les cas qui sont en haut, qui sont 13 ici et 13 ici, ils deviennent 13 en bas et 13 en bas. 13 cartes en bas. Et on dit à spectateur, ou moi-même, je mélange. Mélange, vrai mélange. Ta. Qu'est-ce que ça passait? Les 13 quarts d'en bas ici, les 13 quarts d'en bas ici, ah, mélangé, mais il y a 13 quarts comme ça et 13 quarts comme ça, dans l'autre côté. Et tous les quarts qui sont en haut, pas les 26, mais 20 quarts, au moins 20 quarts, ce ne sont pas les 13 ou les 13 autres quarts. Alors, les quarts en haut, je peux faire comme ça et faire tcha-tcha, tcha-tcha, et il semble. Dans le dernier moment, quand je suis comme ça, je prends tout et je fais comme ça, tcha-tcha-tcha, et je retourne. Maintenant, ici sont les 13 quarts qui sont 13 quarts comme ça, 13 quarts comme ça. Alors, je dis à spectateur de couper moins que quoi que moitié. Il prend, disons, ses paquets et il la met dans la poche. Qu'est-ce que ça passe ici? C'est les cas 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Et ici, pour l'autre côté, sont 4, 5, 6, 7, sans un ordre toujours. Parce que comme ça, l'ordre de chaque chien, c'est le même ordre toujours. Et alors, je ne sais pas rien. Alors, je viens ici et je dois voir. Quelle est la première carte qui est en bas et quelle est la première carte qui est en haut? La première carte qui est en haut, c'est très facile parce que j'ai dit, tiens, bien coupé, et on voit, le 6. Le 6 de pique, c'est la sixième carte parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, sixième. Et je vois comme ça, je dis, tiens, coupé par quelqu'un, et je vois que ça. Le 10, c'est la vingtième carte parce que 10 cartes de pique, 10 cartes de cœur. 20e, 6e, 20e, et j'ai fait la soustraction mentale. 20 moins 6, 14. 14. Et j'ai dit, pas 14, mais une carte moins. J'ai dit 13. 13. J'ai dit 13, et il y a 13 cartes. Il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 13. Oh, applaudis. 13, one more, une carte moins que la différence. Et 13. Et après, je pense, comme la première carte c'est la 6, ici c'est la 6, ici doit être le 7 de pique. 7, 8, 9, 10, as de 3, 1, 2, 3 de cœur. Alors il y a 7 cartes qui sont dans un sens. 7, et bien sûr, parce qu'il y a 13, il y a 6 qui sont dans l'autre sens. Et je dis, alors, 7 cas qui sont
face en l'air ou face en bas parce que tu as plus retour. Elle voit exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, complètement. Les 100 climats. Maintenant, il met les cartes comme ça, mélange, ça ne fait rien, et il regarde tous les cartes. Et c'est très facile pour moi, parce que comme je sais que la première carte c'est les 6, après vient les 7. Alors je nomme les 7, les 8, les 9, les 10, l'As, les 12, 13, les 4, 5, les 6, les 7, les 8, les 9. C'est fini. On nomme tous les cartes qui sont entre les 6 de pique et les 10 de cœur. Dans l'or, dans un ordre différent, ça ne fait rien. On dit moins en couleur et on dit les cartes que je connais qui sont ici. De toute façon, je connais tout. C'est que très fort dans cet effet. Pour moi, c'est très très fort et j'ai fait beaucoup de pour climat, pour finir une séance. C'est qu'on mélange, vraiment. On mélange, on fait tous les tata, prend les paquets, maître, personne ne peut connaître. Il dit non, 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 c'est chaotique. Non, non, non. 13 cartes. 13. Ah oui, bravo. Non, mais en plus, 6 en face, alors, fils, oui, waouh. Et la dramatisation l'a fait le même spectateur lui-même, parce qu'il, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, ah, tout le monde, non? Et à la fin, dis-moi une couleur, c'est ta, 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 et ta, waouh. Non, autre couleur, ah, ta, 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 et ta, ah, wouh. Et finalement, il dit, ah non, donne-moi 10 cartes, et 10 cartes, et c'est ça qui est là, et tout le monde, ah, t'as à la fin, waouh, et tout le monde, un grand applaudissement, et tous les fils, bien, oh, pour t'embrasser, c'est le vrai objectif de toute la séance, de toutes les choses. Merci beaucoup, à bientôt. Pour le tour de chance, la chance noire, on, la préparation c'est noir et rouge. Je prends 5 cartes rouges et je les mets dans la poche derrière. Yeah, préparation. Et 4 ou 5 ou 6 cartes rouges, je les mets à part. On n'utilise pas. Alors, il y a un petit paquet de rouges maintenant. Et je mélange. Ce n'est pas nécessaire un parfait faro, mais le plus que possible, comme ça. Et je fais comme ça. Ça veut dire que les cartes rouges sont ici, ici toutes les cartes noires. Noir, 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 noir. Rouge, et noir, 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 noir. Maintenant, c'est la préparation, non? Quand j'ai bien, je fais comme ça, et comment, et comme ça. Ça, c'est avant de faire le tour. Quand j'ai sorti les cartes, de quelque part, les cartes sont déjà ici, comme ça. Il y a des temps que j'ai fait avec les, en face des spectateurs, mais ça c'est suffisant. Alors, tous les cartes rouges sont ici, toutes les cartes noires. Alors, caché, ta-ta-ta, et j'ai fait l'extension. Alors, tous les cartes d'ici sont noires. Toutes les cartes d'ici sont noires, les rouges sont cachées. Alors, j'ai dit de prendre un cas, il prend un cas comme ça, un autre ici. Il faut prendre ici parce que sinon, peut-être que quand il prend un cas d'ici, par exemple, il peut faire comme ça et on voit qu'il y a une carte cachée. Mais si je prends ici, boum, on ne se voit pas. Hein? On se voit pas. 5 cartes. Toutes les cartes sont noires. Ce que c'est bon, c'est qu'immédiatement, on prend tout. Et sans montrer toutes les cartes noires d'ici, on dit qu'il peut choisir quelques. On voit beaucoup de rouges et de noirs mélangés. Alors, toutes les cartes d'ici sont noires. Impair. Maintenant, on fait comme ça. Blabla, noir, 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 toute la dramatisation que vous avez vu. Et finalement, quand on fait comme ça, oh, j'ai là, et la main vient ici et prend les 5 cartes rouges. On n'aime pas le masque. On peut avoir les cartes ici, maintenant. Et la gens sont comme ça. Et non, non, mais la magie, c'est pas pour ça. Et on fait, avec les cartes rouges, on fait ti, 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 et tous les cartes sont, et les autres cartes sont ici, non? Maintenant, on prend ici, on push tous les cartes, et comme les paquets, c'est comme ça, fini, ta-ta, ta-ta, et ta-ta. Et c'est joli, c'est mouvement, parce que c'est
Quand on était comme ça, tata, tous les cas imparés, tout le monde avait bien la carte, la main, la main, la main. Dernier moment, on dit, oh, tata, tata. Tcha, tcha, tcha. Mais ce que c'est intéressant dans ce tour, c'est que les gens sont vraiment un peu, oh, dommage, oui, oui et non. Hein. Il y a des gens qui, oui, non, c'est une blague, c'est, oh, noir et noir et noir. Et je... Non, non, la magie, c'est pas pour ça, c'est pour donner la félicité, comment dire. La joie. La joie. Félicité. Et... Félicité. Tout. Ah, et normalement, la situation, c'est très, très rare. Personne regarde, oh, sont contents. Et c'est vrai, la magie, c'est pour